أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم صلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد الفاطه لما أخلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهالي إلى صراطك المستقيم وعلى آل أخضر ومقدار العظيم Dear brothers and sisters in c'est toujours votre frère à la Hajj Bangal Djabi. Voilà, donc souvent on a l'habitude d'en profiter pour montrer certains secrets dans le Coran. Vous savez souvent, comme on a l'habitude de le dire, Le Coran, c'est plein de secrets. Mais le Coran aussi, Dieu le révèle aussi pas à n'importe qui. Tu peux savoir lire le Coran du début jusqu'à la fin. Connaître les secrets, ça c'est un autre domaine. Donc, azim. Euh, ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, le secret, c'est dans le but de quoi Lorsque quelqu'un vous a attaqué mystiquement, lorsque quelqu'un a détourné votre fond, et lorsque quelqu'un vous a déclaré une guerre farouche, quelqu'un vous a dit en face que toi tu n'as pas une longue vie, il vous a dit en face, moi je vais finir avec toi, il vous en dit en face, je vais te mettre en prison, il vous en dit en face. Je vais te faire regretter ta naissance. Donc à partir du moment ça est arrivé à ce stade là. Et toi, toi tu n'as rien dans ta vie si n'est pas Allah et puis al Coran. Tu peux laisser pour toi Allah. Allah peut te satisfaire. Mais dans le cas contraire, vous voulez vraiment faire quelque chose, un secret divin dans le Coran pour attaquer cette personne. Je vous dis bien lorsque vous êtes attaqué. Mais quand il s'agit d'attaquer les gens, les gens innocents qui n'ont rien à faire avec vous, cest ils n'ont rien à faire avec vous, c'est-à-dire il vous a pas attaqué et vous, vous mettez seulement à appliquer des choses contre ces gens de personnes. Sachez bien que Allah ne dort pas. Donc le secret, ça se passe sur quoi. Vous voulez vraiment contre attaquer quelqu'un. Vous voulez vous venger sur quelqu'un. Vous voulez faire de sorte que cette personne-là, il se couche à terre pour vous demander pardon. Ça s'est fait avec beaucoup de sourates dans le Coran. Mais aujourd'hui, ce que je vais vous montrer, c'est contre les ennemis. Les ennemis qui sont prêts à vous ôter la vie. Donc maintenant, toi en tant que musulman, il y a des manières aussi de te défendre avec le Coran. Ça s'est fait avec des aya dans le Coran. Premier aya, c'est dans le surah Al-Jinn. L'aya c'est quoi Kalidina fiha abadan. Donc lorsque vous allez utiliser kalidina fiha, vous allez vous arrêter là, mais n'ajoutez pas abadan dessus. Parce que lorsque vous ajoutez abadan ça, ça déclare une, une autre guerre qui n'a rien à voir avec ce que vous voulez entamer. Donc, vous allez vous arrêter, arrêter au niveau des de fiha. Et deuxième aya se trouve où? Le deuxième aya se trouve dans Surat al-Masadi. C'est Yasla, Naran, Zata, Lahabin. Vous allez utiliser Naran, Zata, Lahabin. Naran Zata je vais vous expliquer comment il faut l'utiliser. Que Allah nous donne la connaissance et une bonne compréhension. Voici les deux Naran Zata ça c'est premier ayat. Et deuxième ayat, Qalidina Fiha. qui est dans Sourate Jinn, numéro 23. Dans al Masadi numéro 3. Il y a un tout petit miracle dans ces deux ayas-là. Lorsque vous comptez les lettres des premiers ayas, ça vous donne 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça, c'est le premier ayah. Et deuxième ayah, encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 donc maintenant les deux aya que vous voyez là c'est l'un des aya que les grands, 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 grands chèques ils savent bien les utiliser pour contre-attaquer tout ce qui est c'est tout ce qui est comme une guerre donc ce que vous allez utiliser, comment vous allez utiliser les deux aya aujourd'hui donc les deux aya là l'utiliser vous avez besoin du gombo gombo voici le gombo on l'utilise d'abord avec le gombo mais je vais vous expliquer comment il faut l'utiliser en plus encore vous avez besoin du piment voilà les grains du piment là et le grain du gombo ça se travaille avec le deux je vais vous expliquer comment L'utiliser avec le gombo. Maintenant, vous voulez utiliser, vous avez le choix. Vous pouvez utiliser Premier Aya comme vous pouvez utiliser Deuxième Aya. Mais n'utilisez pas les deux contre une seule personne, C'est pas bon. Donc, maintenant, voyez-vous bien. Premier Aya qui est là-haut, la Naranzat Al-Lahabin. Vous allez l'écrire comme ça. Naranzat Al-Lahabin. Avec le kawatim. Naranzat al-Habi, comme vous voyez, vous allez écrire d'abord sur une feuille, sept fois. Et après avoir écrit sept fois, vous allez le compléter avec le kawatim que vous voyez là. Naranzat al-Habi, le numéro qui correspond à ça, c'est 1390. Et c'est le même 1390 qui se trouve dans le Coran. Lorsque vous allez écrire le Kawatim, vous allez écrire pour entourer Jahannama, Sakara, Sairun, Hutomatun. Vous allez écrire pour entourer. Et la personne qui vous a fait du tort, la personne qui est contre vous, la personne qui vous a déclaré la guerre, écrivez son nom-là. Au milieu. Avec vos intentions. Maintenant, ça c'est la manière d'utiliser. Et deuxième aya, na Voici Khalidi na C'est la même chose. Vous allez écrire Khalidi na sur une feuille sept fois. Et maintenant, vous allez écrire aussi le kawatim. Mais pour entourer le kawatim, vous allez écrire Ya moudorru. Ya Allahu. Ya moudorru. Ya Allahou, ya mudaru, ya Allahou. Vous allez écrire pour entourer le Kawatim. Et le numéro de Khalidi et c'est ce qui est 791. 791, c'est le numéro de Khalidi Vous allez écrire comme ça sur une feuille vos intentions, non de le concerner au milieu. Et qu'est-ce que vous allez faire Avant tout propos, il y a un tout petit miracle dans ce Kawatim-là que je vais vous montrer. Vous voyez le numéro que vous voyez là-haut, là, là, seulement C'est le numéro qui correspond à Rahim Et qui est 787. 787. Vous voyez, lorsque vous écrivez Bismillah, Bismi fait 102. Allahu fait six, euh, 66. ar fait 330. Ar-Rahim fait 289. Donc quand vous additionnez tout, ça vous donne 787. Et c'est ce qui tombe sur bismillahir rahim Et le même bismillahir rahim se trouve dans ce Kawatim là. Après avoir écrit les intentions au milieu, qu'est-ce que vous allez faire Je vous ai bien dit que ça s'est fait avec gombo. Vous allez chercher les grains de gombo comme ça. Avec un grain de piment ensemble. Voici votre kawatim. Pour que ça soit vraiment efficace, vous avez vu, Beurre du carité vous allez prendre un tout petit, mettre d'abord au milieu. Lorsque vous allez mettre un tout petit baie de carité au milieu, vous allez maintenant déposer les grains pour que les grains restent au milieu. Vous voyez, là, ça ne va pas bouger. Ensuite, on ajoute maintenant les grains du piment. C'est un travail qui est très, 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 très dangereux. Je vous préviens, c'est un travail qui est très, très, très dangereux. Et lorsque vous allez faire comme ça, vous allez maintenant plier. Après avoir plié, vous allez l'attacher avec un euh, fil rouge. Ou fil noir, mais pas avec fil blanc. Une fois fini d'attacher... Vous allez déposer dans un endroit où on prépare pour que ça soit chauffé. Mais si vous êtes dans un endroit ou dans un pays où on ne peut pas utiliser ce genre de trucs, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez chercher un peu de sable, déposer dans une boîte, déposer sur le feu, et vous allez commencer maintenant à zikrer. Si vous souhaitez à utiliser Kalidina vous allez le zicrer 791 fois 3. Donc vous allez l'utiliser 791 une fois, 791 deux fois, 791 trois fois. Vous allez faire ça pendant trois jours. Remarquez très bien aussi l'heure que vous allez écrire là. N'essayez pas de changer des heures. Arrangez-vous que ça tombe sur les mêmes heures. Donc maintenant c'est pareil aussi pour naaran zatlahabin inshaallah o tu seki valu fɛ me yi ala mɛlo baraka an barimasilamayi n ye ka feɛ mi yirairan te a fura ma ko kɛrɛkɛ fe a y' lɔn bi mɔgɔ ye bagara mɔgɔ ma mɔgɔ ye juguya kɛra mɔgɔ ra mɔgɔ dɔ ye aa ku dokirira aa lɔn ko a kaa kumi kira bini a binii mako sa ala du a ko a ma kuni kii tato a lama koo laa fisa

Ido ka mune a ya ko bala, ika mone bala ma cikin koccikocci ikana bari de kada, ni ka mami misiri mana ko bi ko menanya nyon bon ka ba la, ya ko a lo loni ka bakuru ya rabbi ala nafa dama wa salam wa rahmatullahi ta'ala,